ainsi, essayons-nous. Et tu y chares. Vu ainsi, et biruko, la foi est un devoir. Kwizera rero ni nk'icagezwe. Le devoir de démontrer Christ. Cyagezwe cyo kukwerekana Kristo. Je dis bien vu ainsi. Vuze nti tubirabye uko. La foi. Ukwizera. Est un devoir. Ni nk'icagezwe. Le devoir de démontrer Christ. Cyagezwe cyo kugaragaza Kristo. La Bible dit que je suis saint. Bibiri ivuga ngo nduwera. Qui est saint? Mbega ninde ngahari uwera. Lève la main. Nakiriza ukuboko. Nimba uri uwera kiriza ukuboko. Lève la main si tu es saint. Kandi uri uwera ukiriza ukuboko cyane. Maintenant tu dois montrer la sainteté. Ubu rero utegereza kwerekana ukwezwa. Démontre la sainteté. Erekana ukwezwa. Tu comprends? Ninda bitahura. Ce monde doit voir la sainteté de Dieu à travers toi. Iyi si tegereza kubona ukwezwa kw'Imana biciye muri wewe. Si tu as cru. Nimba warizeye. Selon ce que la Bible dit. Bivanye n'icyo Bibiliya ivuga ko wera. Pratique la sainteté. Rero biciye muri babona ukwezwa. Regardez frère. Daba bene data. Il dit il y a deux choses. Hari ibintu bibiri. Un. Chambere. À ceux qui l'ont reçu. Kubamwakiye bose. Si tu l'as reçu, deux. Nimba waramwakiriye bwa mbere. Il te montre, reste à démontrer à ceux qui croient. En son nom. À ceux qui croient qu'en son nom, ils peuvent faire ce qu'il a fait, être ce qu'il a été. Parce que la puissance de Dieu est mise dans le nom de Jésus pour nous rendre capables de faire tout ce que Jésus a fait, être tout ce que Jésus a été. Celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites. Si quelqu'un dit, je suis en communion avec Jésus, qu'il marche. Agende comme Jésus a marché. Uko na Yesu nawe yagenze. Qui comprend? Ninda bitahura. As-tu jamais réfléchi à marcher comme Jésus? Woba warigeze kwiyumvira kugenda nkuko Yesu nawe yagenze. Aha. Si tu réponds à cette question. Chaka kuraba ni wishuri iki kibazo. Le miracle aura commencé. Igitangaza kizoba cyamaze gutangura. C'est des questions auxquelles j'ai répondu quand j'étais jeune convert. Nibibazo nanje nishuye ko igihe nari impejeje gukizwa. J'avais une préoccupation. Nari mfise umwitwarariko. Maintenant que je suis enfant de Dieu. None ubuko namaze guhinduka umwana w'Imana. J'ai le pouvoir. Bivuga ko mfise ububasha bwo kuba nka Yesu. Alors comment Jésus a marché? None Yesu yagenda gute? J'ai étudié ça. Chanda vyiga byose. J'ai commencé à marcher. Chanda tangura kugenda uko. Vous savez comment il a marché? Bega murazi ngene Yesu yagenda. La nuit. Mwijoro. Il priait. Yarasenga. Le jour. Kumurango. Il apparaissait devant les hommes. Yaje imbere y'abantu. Leur montrer Dieu. Kugira ngo abereke Imana. Applaudissons pour Jésus. Mukomere amashyi menshi umwami Yesu. J'ai pris ma décision. Nanje nca ndafata ingingo. Mes nuits. Hi amajoro yanje yose nayo kubona mu nyonga h'Imana kugira ngo ku munsi nkenereka abantu Kristo. Bene data nagenze uko kandi Imana iri kumwe nanje. Qui comprend? Ninde ariko arabitahura. Quelqu'un problème d'oreille? Hari umuntu ngaho afise ingorane y'ugutwi. Ugutwi kwa kutacumva. Ingo. Lève-toi. Haguruka. Applaudissons pour Jésus. Nimukomere amashyi menshi umwami Yesu. Je vous ai dit, il est avec moi. Il est avec moi. Eh, ari kumwe nanje. Pourquoi? Kubera iki? Parce que j'ai décidé que je vais, ma vie consiste à marcher dans la foi en Jésus. Kuko nafashe ingingo kubutima bwanje buzoba bushingiye kukwizera Yesu Kristo no mukwerekana Kristo. Nerekana hose ko Yesu ari muzima. Ndavyerekana. Regarde, viens. Ingo.
Tu avais une oreille qui n'entend pas. Wari ufite ugutwi kutumva. Va regarder là. Genda umvirize. Bouche l'oreille qui entendait. Genda utsibire ugutwi. Pour la guérison. Komera amashyi menshi gukira kwabo. Jésus n'est-il pas ici? Jésus n'est-il pas ici? Mbega none Yesu ntari ngaha. Il les a déjà guéri. Yamaze no kubakiza. Applaudissez plus fort, hey! Komera amashyi menshi mwami Yesu, eh! N'utsibire ukwahora kumva. Tsibira ukumva neza kandi ukutsibire cyane. Turabe hari inyuma. Maniragaba Floriane. Mande la gaba Florian. Quand tu as étouffé Jésus, yo amaze kugarana Yesu, acaguheba nawe uri wenyene. C'est pour ça que plusieurs enfants de Dieu finissent par avoir plus de problèmes que les non-croyants, par être plus malheureux que les non-croyants. Ils sont comme le sel qui a perdu sa saveur. Je m'appelle Jean Doty. L'oreille qui entend, qui entend bien. Quelle est l'oreille qui n'entend pas? Maintenant, est-ce que tu m'entends? Dis Amen. Amen. Dis Yes. Yes. Alléluia. Amen. Zéro. Zéro. Le problème, c'est ce que tu crois. Regarde. Ok. Nitwa Jean Doty. Nitwa Jean Doty. Ingozi. Dikono ndumva ngo hari ibintu bisumba mu kugutwi. Est-ce que cette oreille entendait? Ou que vous trouvez quoi? 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 Jean Doty.
Applaudissons pour Jésus. Il n'y a plus de problème à l'oreille. Alléluia. Amen. Écoutez, frère. Les gens se bloquent eux-mêmes. Et empêchent le ciel de parler. Parce qu'ils ne vivent pas pour montrer Christ. Jeune Jean. Mwami Kangaramwe. Il y a quelques années, j'ai rencontré des jeunes hommes, des jeunes. Et je les ai entraînés dans cette folie générale. Les voici aujourd'hui. J'en connaissais une. Elle transformait même les hommes qui voulaient la poursuivre pour l'adultère, elle les amenait à Jésus. Clotilde marchait. Clotilde yagenda. Bien habillée pour la gloire. Yambaye neza kubw'icyubahiro cha Yesu. Et les hommes tombaient là. Abagabo bakamukurikira ku bwinshi. Un homme vient. Hakaza umugabo. Tu es très belle. Je veux t'épouser, il dit viens. Viens, je veux t'épouser. Elle me l'amène. Agachamunzanira. Je lui pompe l'évangile. Si quelqu'un commet l'adultère, il ira en enfer. Beaucoup ont cru comme ça. Mais toi, tu marches en route. Akawugendagenda mu ibarabara. Kicucu cyose kitsa kikubwira ubujambo budafadika nawe gaca witwengesha. Des jeunes hommes et des jeunes filles sous des dieux. Imisore n'inkumi babore w'Imana. Avec lequel le ciel marche. Abo nabicuru charigendana nabo. Pourquoi y a-t-il peu de personnes avec qui Dieu est aujourd'hui? Parce que les gens qui ont reçu Jésus ne vivent pas pour montrer Jésus. Ils ont une fausse foi. Ils n'ont pas cru au nom de Jésus. Ceux qui croient au nom de Jésus marchent au nom de Jésus. C'est-à-dire ils marchent comme des ambassadeurs pour Christ. Qui comprend? Ils vivent au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils vivent comme des ambassadeurs à travers Christ, à travers lesquels on peut voir Christ. Dans leur salle de classe, leur comportement, leurs actes, les autres voient, ils sont différents. Abandi baba bonye, barabona ko abantu badasa n'abandi, barabona ko batandukanye n'abandi. Mais ariko toi tu es différent. Ce qui sort de sa bouche. Christ est vu. Christo baramubona. Christ est entendu. Christo baramwumva. Christ est touché. Christo barashobora no kumukora kora. Et quand Christ, quelqu'un vit pour démontrer Christ, Christ vient avec lui. Christ achaza na kabana nawe. Pour bouleverser le monde. Kugira ngo ahindure gosisi. Qui comprend? C'est ça qui était arrivé à Paul. Paul dit. Paul avuga ngo. Quand il a plu à Dieu. Qui m'a connu avant que je sois dans le ventre de ma mère. Et qui m'a appelé. Quand il lui a plu. De manifester en moi son fils. Vous comprenez ça? Paul avait un appel. Paulo yarafise umuhamagaro. Que le fils de Dieu soit manifesté. Kumwana w'Imana agaragara bikiye muri. Que celui qui le regarde voit Jésus manifesté. Abone Yesu agaragara muri we. Qui comprend? Ninda bitahura. Quand tu me vois, tu vois quoi? Nani yumbonye ubona iki? Tu vois quoi?
ubona iki ubona Yesu agaragara devenu de plus en plus visible ngo Yesu abandanya abone umuntu aboneka bigaragara kuko frère kubera iki bene data la pluie à Dieu imana zarayihimbaye qui m'a aimé ko yankunze m'a connu avant la fondation de ce monde yamenye no kwisibaho qui m'a appelé haimira mpamakara prophète des nations kugira ngo muvugishwe abahanga Il a plus maintenant de manifester son fils en moi. Il révélait Christ en moi. Christ révélé en l'homme. Christ a hichurwa mu muntu. De Christ en l'homme. Uiva kuri Christ bigashika ku muntu. Le chrétien par la foi donne à Dieu la possibilité de passer à l'étape de Christ révélé en l'homme. Biva ko umuntu ahabwa ko Kristo ahishurirwa ku muntu. Voici un peu comment ça se passe. Rabi ngene bishushanijwe gatonye. Recevoir Jésus. Hariho ubwa mbere na mbere kwakira Yesu. Deux. Bwa kabiri. Démontrer. Jésus. Kwerekana Yesu. Et Dieu revêt Jésus en nous. Kagatatu imana ihishura Yesu. Et quand Dieu se met à révéler Jésus en nous, il y a une quatrième chose qu'il fait. Imana rero itanguye guhishura Yesu iciye muri twebwe. Dieu est avec nous. Dieu lui-même est là. Voilà une évolution. Imana iba iba muri twe ibana natwe. Dieu travaille à partir de l'intérieur de l'homme. Imana ikora ihereye. La démonstration de Jésus s'appelle la foi. Marcher. Ukwerekanwa kwa Yesu niko kwizera. Ça c'est l'exercice de la foi. Aha, uburi kumenyereza kwizera. De la foi dans le nom de Jésus. Umenyereza kwizera mu izina rya Yesu. Souvenez-vous de la définition biblique de la foi. Mwibuke indondoro y'ukwizera. La foi est une ferme assurance. Kwizera ni ukwemera udakekeranya. Ibyo wizigira. Une démonstration. Ni ukugaragara. De ce qu'on ne voit pas. Kw'ibyo utabona. Hey. Qu'est-ce que c'est la foi? Mbega ukwizera ni iki? Qui va nous dire? Ninde yotubwira. Disent que c'est la foi. Vous êtes des enfants de Dieu. Qui va vous dire? Ukwizera nukumenya gose udakekeranya. Ukwizera nukumenya gose udakekeranya. Vyizigirwa ngo ntibizoba. Amen. Ndasubiramo ukwizera no kumenya gose udakekeranya ibyizigirwa ngo ntibizo Oya wavuze igice None wokoresha gute ukwizera utazi ico bibiri ivuga ku kwizera ninde yo bitubwira neza Ashaka umunata kuvuga ku mutwe uwo murongo ingo ingo Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chane, shivuga nk'intare kazi ya Yesu, kandi uvuga nk'ibintu nzi neza. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Numero ngwahe. Hébreux 11:1. Baheburayo ikibonecho cha 11 umurongo wa mbere Akutsutsa mutwe inkuru zo muri quartier
ne connaissez même pas la définition biblique de votre propre foi. Nimuzi ni ndondoro ya Bibiliya yukwizera kwanyu bwite. Nawe niho ngari ngorane. Maintenant tu vas croire quoi quand tu ne connais rien dans la tête? None uzokwizera iki ataraki mufise mu mutwe? On croit ce qu'on a bien compris. Wizera ivyo watahuye neza. La foi c'est quoi? Kwizera ni iki? Qui a la foi? Nina su kwizera. Lève la main. Nakirize kuboko. Tu as la foi, lève la main au nom de Jésus. Ofise kwizera ukirize kuboko mu izina rya Yesu. Tu n'as pas la foi. Ninda dafise kwizera nawe. Nous lui prêchons l'évangile. Tumubwire ubutumwa bwiza. Qui a la foi? Ninda fise kwizera. OK, la foi c'est quoi? Nanu kwizera ni iki? Ko kwizera ni iki? Kwizera ni kintu utahura neza. C'est la chose que tu comprends très bien. Kwizera ni kintu utahura neza. C'est la chose que tu comprends très bien. Ama ukagikora ugikurikiza neza. Et tu le fais tel quel est. Ninde yabivuze ivyo? Kwizera Imana ni ukwizera ibyo Imana yavuze. Turiko turavuga ukwizera, tuvuga ngo ukwizera ibyo Imana yavuze, atari uko nta na kimwe uba wizera. Kwizera kwawe ntacyo kuba kumaze kandi ni nk'ibisazi. Celui qui croit dit, il est écrit. Uwizera avuga ngo handitse ngo. Oh, la foi. Ngo kandi bisanzwe kwizera. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ngo nukumenya udatekereza ibyo uzigirwa. Une démonstration. Nukwere kugaragaza. De celle qu'on ne voit pas. Ibyo utaraboneka, ibyo utarabona. Qui a la foi? Ninde afite kwizera. Très bien. La foi c'est quoi? Nanu kwizera ni iki? Kwizera nukumenya gose ibyizigirwa udakekanya ngo ntibizoba. Kiki? Nanu mwashobora kumbwira neza uyo murongo atawudidinganya mu kirundi. Kweko uvuga igice. Kora ku mutwe wawe. Uti mana yangize uciye ubwenge kurusha abigisha banje. Ntabwo ndi kijuju. Ndi nshabwenge ya Yesu. La Bible doit se trouver dans ma tête. Bibiliya itegereza kuba mu mutwe wanje. Dieu peut avoir la tête vide de Dieu. Mbega umwana w'Imana ashobora kugira umutwe gute ugaragara Imana. Qui va nous résister ça en Kirundi? Ninde none aza kutubwira mu Kirundi. Chacun d'entre vous devrait réciter au bout de l'heure. Kand umwe wese yategerezwa kuwuvuga ku mutwe. Ukwizera ni iki? Ukwizera ni kumenya ibyizigwa udakekeranya ngo ntibizoba. Kandi muriko mwandika indi bibiliya muzova mwandika bibiliya yanyu uyu uri kuvuga bibiliya yivuga uko nyene yanditse umusore nka wewe n'umutwe nk'uwo nyene ufutse urashoboye kuvuga bibiliya indimi indwi zitandukanye kangura imitwe yanyu injiza mwa bibiliya. Une chose que je sais. Ikintu kimwe nzi. Un enfant de Dieu qui a la Bible dans la tête sera sage. Umwana w'Imana ashize bibiliya mu mutwe wazoca cy'ubwenge. Recite-moi le verset correctement. Rero nsubiramo uwo murongo neza. Qui va le faire? Nindaza kuvuga. Oui. Regardez-vous. Nimwirabe mwebwe nyene. C'est le premier verset que chacun devrait connaître.
uyu numurongo umwe mwese muri mwe byategerezwa kumenya akavuga no kumutwe. Ce n'est pas le bugari qui est dans la tête. Subugari buri mu mutwe. Ce n'est pas le bugari qui est dans. Subiramwe ti subugari butegereza kuba mu mutwe. C'est Jésus. Ni Yesu. Oui, bien resté. Ingo tubwiriwe murongo. Jésus règne sur toi. Yes, Jésus règne au nom de Jésus. Yes, et que les chaînes tombent. Merci Seigneur de Amen. 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 Relève-toi. Haguruka rero. Relève-toi. Haguruka, haguruka. Dis Jésus. Suramuti Yesu. Yesu. Sindaguhaye ubugingo bwanje uyu munsi. Ndaguhaye ubugingo bwanje uyu munsi. Uti Yesu. 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 Ndokora. Ndokora. Kandi ucumpindura. Kandi ucumpindura. Ndashaka kugukurikira. Ndashaka kugukurikira. Urakoze mwami. Urakoze mwami. Ninde yokwitwara ariko no mwigeme. Uwavutse gushasha. Oya. Dieu vous l'a envoyé. Imana yamubarungikiye. Uba hehe? Mwijabe. Jabe. Aba mwijabe. Eh. Mais je veux une maman. Ariko vyiza nashaka umumama. Tu t'en occupes. Mwitwara ariki? Elle va te conduire à Jésus. Araza kuku azo kurongorera kuri Yesu. Ouais. Quelque chose. Prends-la et aide-la à mettre sa vie en ordre parce que là où vous voyez là maintenant, il y a eu un désordre catastrophique. Kumubona uko harimo akajagari. Applaudissons pour Jésus. Nimukomera amashimisha umwami Yesu. Hallelujah! Amen. Tugire wa murongo rero. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Ukwizera no kumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba. Kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari vyukuri. Amen. En français. Mu gifaransa. Tu cites le verset, tu le récites. Vuga umurongo ku mutwe. Je ne connais pas à rester en français. Vous vous limitez tellement que je ne vous comprends pas. Les jeunes là, réagissez comme des jeunes. Le premier point fort que chaque jeune qui veut triompher en Jésus doit posséder, c'est la connaissance de la parole. Je vous ai écrit, jeune Jean. Vous êtes fort. Kuko mukomeye. Vous êtes fort pourquoi? Parce que mukomeye Jésus kubera iki kubera Yesu aba muri mwebwe. Et parce que la parole de Dieu. Kandi kw'ijambo ry'Imana riba muri mwebwe. Deux choses font la force d'un jeune qui va marcher dans la foi. Mutazogendera mu kwizera. Le fait d'être fort à cause kuba de Christ akomeye kubera Kristo aba muri we. Et le fait connaître la parole. No kubaza ijambo ry'Imana. Le jeune qui veut triompher. Ukiri mutashaka kunesha. Doit avoir. Ategerezwa kuba afise. Sa viande, c'est la parole de Dieu. Inyama ziwe ni ijambo ry'Imana. Sa viande, c'est la parole. Inyama ziwe ni ijambo ry'Imana. Il doit la consommer.
ategereza kurirya plus que les gens mangent le kurusha uko abantu barya ibiharage si tu n'es pas comme ça tu as déjà renié nimba utari uko waramaze guhusha inzi tu vas croire ce que tu connais kuko uteza kwizera ibyuzi ushobora kwizera ibyo utazi les têtes vides que je vois là utwo twigeme mbona nga tutwe tugaragara regarde tu dis que la foi c'est quoi la foi c'est comme si on comprend bien wa mwana ati kwizera nibintu ba watahuye neza ha mugacunetsegwa. Les anges doivent se demander qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant. Il ne connaît pas que la Bible existe. Il ne sait pas lire. Il a quel problème? Est-ce qu'il ne sait pas que le triomphe d'un jeune kwinsinzi ukiri muto ko ari mu kubona a ise Yesu inkomezi nzima ziri parole habite en lui ari jambo ry'Imana riri ba muri we il a consommé de la parole akaba yarari ijambo ry'Imana sont les jeunes qui sont remplis de la parole none bakiri bato bari hebuzu ijambo ry'Imana bari he quand tu vas vouloir manifester Christ en parole. Tu vas dire washaka kugaragaza Kristo mu majambo none uzocuvuga. Si tu ne connais rien. Nimba tana kimuzi. Si tu ne lis rien. Nimba tana kimusoma. Si tu ne médites rien. Nturimbura ikintu na kimwe ijambo. Vous voyez, depuis hier je vous parle, c'est des versets que je vous parle. Urabona guhera ejo. Imirongo ndiko ndabaha none imirango yawe yanditse bibira yawe yanditse mu mutwirihe dis à ton frère ta bible doit être ici là kiriwo mwicaranye uti bibira yawe itegerezwa kuba ngaha et après ici nyuma yo ngaha iciza ngaha quand tu lis tu la mets ici usomye uyishira ha quand tu mémorises, tu la mets là-dedans. Et vous fâchez que moutoué ou ishira ha. Quand tu médites, tu l'enfonces ici. Et vous rimbouye na higacha yinjira nga ha. Quand tu pratiques, tu la démontres. Et vous ishize mongiro na hokayere kana. C'est ça la foi. Nous koniko kwizera. La foi atteint trois choses. Ou kwizera, ou shikiribinu bitatu. La tête. Ou moutoué. Le cœur. Motima. Nibikogwa. Jésus vient s'installer dans le cœur. Yesu aza gufata icicaro mu mutima. La parole doit remplir la tête. Ijambo riteza kuzura mu mutwe. Et par la pratique. Mu ngiro naho elle doit couler dans la vie. Teza gutemba mu buzima. Qui comprend? Ninda bitahuwe. Maintenant, vous avez des têtes vides. Ure mu fisi mitwe igaragara. Qui va me réciter le verset qu'on a donné hier? Ninde none yombira ku mutwe wa murongo twabaha ejo. Mouvuge kumutwe wewe nyene. Tubwire ujya murongo w'ukwizera. Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Comme Dieu. Iyo mfutse umurongo wa Bibiliya uvuga nk'Imana. Abantu. Un ambassadeur. Userukira igihugu ciwe. Ce que le président dit et il le dit comme le président le dit. Avuga nk'uko président avuga kandi akavuga nyene mu butegetsi bwa président. Vas-y. Vuga nawe rero. Hébreux 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Oui. Nawe. Hébreux 11, verset 1. Allez. Hébreux 11, verset 1. Allez. Haguruka. Ukwizera. Nukumenya gose utakekeranya.
yuko ibivugwa byose ari ukuri. Tête dangereuse. Le cœur est déjà bon, Jésus est dedans. Mais vos têtes sont dangereuses. Il n'y a rien dedans. Et Dieu n'est pas là dedans. Mettez Dieu dans la tête. Abaheburayo, igice cya cumi na rimwe, ku murongo wa mbere havuga ngo ukwizera ukwizera ndiko ndaje ntabakiri bati imitwe yanyu muri ko muyishira he wewe akira micro. Hebrews chapter 12, verse 1. To be faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Qui comprend? Regardez, par la foi, l'homme reçoit Jésus à l'intérieur. La Bible lui dit, quiconque invoquera Jésus comme Seigneur sera sauvé. Invoque Jésus, il dit Jésus. As-tu d'aujourd'hui t'appartenir? Viens dans mon cœur, prends-moi. Et toi, je suis là. Il sait. Maintenant, il reste une seconde chose. Pour que ce Jésus soit visible, il doit maintenant montrer. La foi, c'est l'acte de démontrer que ce que j'ai cru, ce que je sais que c'est vrai, est pratiquement vrai. Qui croit qu'il est un enfant de Dieu? Pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu crois ça? Je crois que je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que parce que je suis vaillant en Jésus-Christ et je le suis. Mais je peux dire aussi que tu es vaillant dans l'âme. Tu vois là, Benjamin. Je serai plutôt vaillant, Jésus. Pourquoi le croire? 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 Pourquoi le croire
pourquoi je suis enfant de Dieu? Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair, non du sang, mais de Dieu. Vous la basez sur quoi? Je suis enfant de Dieu parce que je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai reçu Jésus et il est écrit. Tous ceux qui l'ont reçu sont devenus ses enfants. J'ai une part dessus. Si quelqu'un vient me dire, non, tu es l'enfant de l'arbre. Je ne sais pas si tu es l'enfant de l'arbre. Ça ne vaut rien dire parce que Dieu n'a jamais dit ça. Notre foi est basée sur ce que Dieu a dit. Je dois connaître ce que Dieu a dit pour fonctionner dans la foi. C'est pour ta tête comme ça. C'est pour ta tête. Bougari, soho. Qui voit qu'il n'a pas bâti la base de sa foi. Ndabonye kwatubatse urufatiro kukwizera kwiyo. Écoute. Mbiritsa. Tu as reçu Jésus par la foi. Ça c'est un fait. Warakire Yesu mukwizera kandi ivyo nivyo. Tu dois démontrer. Rero ubutegeza kuvyerekana. Démontrer demande que tu connais ce que Jésus dit. Werekane kuzi kwivyo Yesu avuga. Parce que c'est ça que tu vas dire, c'est ça que tu vas faire, c'est kuko ça que tu vas avuga, nivyo uzokora, nivyo uzokwerekana. Qui va nous réciter les versets d'hier? Ninde yombwira ku mutwe ya mirongo ya nijoro. Eh, abaroma 8. Romains 8. Haguru kubivuge nk'umuntu w'umuhitsi. Romains 8 35 jusqu'à 39. Qui nous séparera de la mort de Christ? Celle, l'angoisse, le dénuement, Romains 8 35 à 39, qui nous séparera de la mort du Christ? Celle, la perception, l'angoisse. Kendo subiremo amanote yawe. Ninde wundi yo ivuga ku mutwe. Inchabwenge ubwami. Raba bene data. Il y a une pensée du royaume de Dieu. Il y a une pensée du royaume de Dieu. Quelle est cette pensée? Quand cette Bible devient ton raisonnement, alors le diable est en danger. Il y a une pensée du royaume. La pensée du royaume, c'est la parole de Dieu. Les gens pleins de Dieu parlent selon la Bible. Même quand je vous parle, tout ce que je vous dis est dans la Bible. Maintenant, quand tu es citoyen du royaume des cieux, dis citoyen du royaume des cieux. Tu es quoi? Beguriki. C'est écrit où? Sandice. Hein?
C'est écrit où? Byanditse hehe? Je veux vous amener à poser des bases sûres. Chaka kubafasha gushiraho imfatiro zizwi neza. Tukwizera. Munyagihugu wo mu bwami bw'Imana. Dieu l'a dit, et si Dieu l'a dit, Imana yarabivuze kandi Imana ibivuze ni ntasubigwamwo. Nous croyons à ce que Dieu dit parce que Dieu ne ment jamais. Turizera ivyo Imana ivuga kuko Imana ntibesha na rimwe. C'est pour ça que nous donnons qu'on connaît ce que Dieu dit. Nico gituma tubasaba ko mumenye ivyo Imana ivuga. Oui. Abaromo 8. Igice Abaromo 8 Abaroma ikigabane cy'8 ya karongo ka 35 gushika ku 39 haravuga ngo ninda zo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Mbega n'amarushwa canke n'ibyago canke n'uguhamwa canke n'ukwambara ubusa canke n'ukuba mwirinde canke n'inkota nkuko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora twagereranijwe n'intama z'imbagwa ariko muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze kuko kuko menye neza ntakekeranya yuko naho gwoba urupfu canke ubugingo canke ibiriho kuko menye neza ntabikekeranya naho gwoba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoza canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cyose atakizo dutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois pas le réciter. Nginde wundi yo uvuga ku mutwe. Regarde. Taba. Quand tu maîtriseras ces versets. Ni wafata nkama iyo mirongo. Et quelle deviendra une affirmation personnelle. Agahinduka ibintu wowe nyene we.